Salut à tous et à toutes, c'est Dante, j'espère que vous avez la pêche, la patate. Aujourd'hui, nouvel épisode de l'arsenal de Dante sur le M941 Johnson. Que vous soyez là pour voir du bon gameplay ou tout simplement avoir des trucs et astuces pour être plus performant avec cette arme, vous êtes au bon endroit. Il y a quand même pas mal de choses à savoir, mine de rien. On commencera avec l'historique de l'arme, on parlera ensuite des statistiques de l'arme, ce qui vous intéresse le plus. La spécialisation qui est très importante. Et enfin, une petite conclusion pour résumer un petit peu et vouloir vous donner quelques derniers petits conseils. On commence tout de suite donc avec l'historique de l'arme. Donc c'est le 1941 Johnson, donc un fusil semi-auto américain conçu en 1939 par Melvin Johnson, donc d'où son nom. Mis en service en 1941 et utilisé jusqu'au début des années 60. Alors il a tenté de concurrencer le M1 Garand, mais il n'a pas pu parce qu'il avait un recul trop important et était difficile à utiliser avec une baïonnette. D'ailleurs c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas mis une SP avec une baïonnette, ça aurait pu être sympa pour la classe assaut. Disponible avec la mise à jour 7.0, donc la dernière grosse mise à jour en date. Si vous n'avez pas connecté à ce moment là, il faudra l'acheter avec des pièces de compagnie. Je crois que c'est 1500 pièces de compagnie, donc ça reste assez dérisoire. Donc c'est un fusil semi-auto de la classe assaut, vous l'aurez compris. On va commencer tout de suite avec les stats de l'arme. Donc on commence avec 45 de dégâts par balle jusqu'à 25 mètres. C'est assez violent. Alors c'est un fusil semi-auto lourd entre guillemets. C'est donc les semi-auto qui font le plus de dégâts, mais qui ont une faible qu'en tir, donc comme le GOR 43, le carabineur et le Stepladder 1916, et aussi le M1 Garand si vous prenez la spécialisation qui augmente les dégâts. Donc voilà, c'est un semi-auto qui fait de gros dégâts, qui est vraiment bien pour la moyenne portée. Ensuite, donc on fait 45 dégâts jusqu'à 25 mètres, 34 jusqu'à 50 mètres, donc 34, 3 balles dans le corps, ça suffit pour tuer, donc c'est assez violent. 33 jusqu'à 100 mètres. Voilà. Et 28 de dégâts, ça ne descend pas en dessous de 28, donc ça reste quand même très efficace. Au niveau de la cadence de tir, on a 257 coups par minute, ce qui est pas ouf du tout. Après, vous avez quand même de gros dégâts, donc vous ne pouvez pas avoir une cadence de tir de ouf non plus, mais voilà, ça reste correct de façon générale. Au niveau du chargeur, vous êtes à 10 balles, donc ce qui est aussi correct, c'est pas ouf, mais vous avez des semi-autos qui ont plus de cadence de tir, qui ont plus de balles, mais ils font un peu moins de dégâts en général. Donc voilà, c'est vraiment un bon compromis entre dégâts, cadence et chargeur. Donc avec 10 balles vous pouvez tuer 3 voire 4, c'est vraiment bon, mais 3 ça fait 3 balles par ennemi, donc voilà, ça reste quand même correct, hein, un chargeur de 10 balles, surtout que le rechargement est assez atypique. En fait vous avez un rechargement avec des clips de balles de 5 balles en fait, donc vous rechargez 5 balles par 5 balles. Par exemple, si vous avez genre, si vous reste 2 balles dans le chargeur, il va d'abord mettre un clip de 5 balles et après recharger une balle par une balle. Chose qu'il ne faut jamais faire. En fait, dès que votre soldat a mis le clip de 5 balles, il faut annuler l'animation. Donc il faut appuyer 2 fois sur votre touche de changement d'arme. Donc sur la manette, c'est la touche triangle et Y. Sinon sur PC, vous vous donnez un coup de mouette vers le bas puis vers le haut, ça va... Essayez de prendre votre pistolet, puis ça va directement vous reprendre votre arme principale. Et dès que vous savez ça et dès que vous faites ça tout le temps, vous allez vraiment avoir un meilleur niveau avec cette arme, parce que vous avez par exemple engagé un ou deux ennemis, vous allez recharger votre clip en même pas une seconde, donc vous allez pouvoir recharger très rapidement avec cette arme. Et puis ça, c'est quand vous êtes en phase de combat. Après, quand vous savez que vous avez fini un combat, vous êtes tranquille, vous avez beaucoup d'alliés par exemple sur un drapeau, vous pouvez recharger complètement une balle par une balle. Mais vraiment en phase de combat, vous savez pas si vous allez avoir des ennemis, vraiment recharger que par clip de 5 balles et annuler l'animation, ça va vraiment vous sauver la vie souvent quoi. Au niveau de l'arme secondaire, je vous conseille un pistolet assez rapide. En ce moment, j'adore vraiment le PPK qui est un nouveau pistolet qu'ils ont rajouté avec la mise à jour 7.0 également, qui fait pas beaucoup de dégâts mais qui a un tir qui est assez folle et qui recharge très vite. Je vous le conseille, sinon vous prenez votre pistolet habituel, mais je conseille pas trop un revolver parce que voilà, ils ont quand même cadence de tir qui est pas très bonne et un rechargement à long comparé aux autres pistolets. Mais si vous êtes un très bon joueur et que vous arrivez à mettre des têtes avec un revolver, je peux que vous le conseiller. Au niveau du viseur, alors si vous êtes plutôt pour le combat approché ou la petite moyenne portée, je vous conseille le viseur de base, le MIR. Donc il y a un zoom de 1,5. Même si c'est pas une arme pour le combat approché, c'est plutôt une arme pour la moyenne portée, pour les cartes un petit peu ouvertes avec des véhicules, etc. La mire, je m'en suis très vite passé. Je suis très vite passé au viseur x3. Vous allez voir dans la vidéo, j'utilise que ça. Ça vous permet de voir les ennemis d'un peu plus loin et de pouvoir shooter les ennemis à moins de distance, vraiment de façon assez facile. Surtout si vous avez la bonne spé qu'on va voir après, ce qui va vraiment réduire le recul, parce que je crois que c'est l'un des défauts de l'arme, hein, comme un peu dans la réalité, c'est vraiment qu'elle a un recul vertical assez
assez dégueulasse. Donc une fois que vous aurez l'aspect, vous verrez que le viseur x3 va vraiment être votre meilleur ami avec cette arme. Et on va passer tout de suite à la spécialisation. Donc en premier, j'ai pris viser rapide qui vous permet de viser 33% plus rapidement. Vu que c'est une arme, c'est un semi-auto, vous allez viser très souvent, quasiment tout le temps en fait. Faut savoir que vous avez un tir au jet qui est assez dégueulasse dans la spécialisation. Que ce soit à gauche ou à droite, vous ne pouvez pas améliorer le tir au jet. Donc autant avoir une bonne visée bien rapide. En face, vous avez donc Sanguémerion qui vous permet de tirer 15% plus tôt après un sprint ou de charger d'arme 15% plus tôt après un sprint. Donc pas si ouf avec ça, avec cette arme. Ensuite, j'ai pris cross modifié et cross allégé. Donc vous êtes plus précis en visant et quand vous êtes en mouvement. Donc ça, c'est bien pour faire quand. Et il y a cross allégé aussi qui vous permet quand vous visez d'être un peu plus rapide. Ce qui vous permet de, voilà, d'être toujours en mouvement quand vous visez. Bon, ça reste limité quand même. Quand vous faites des duels contre des semi-autos, contre des ennemis qui sont un peu loin, ça vous permet d'être un peu plus mobile. Donc d'être de vous faire moins de toucher. Donc c'est plutôt cool. En face, vous avez donc encastrement du canon qui permet d'avoir des tirs plus précis quand vous visez sans bouger. Donc ça reste voilà, c'est vraiment le contraire de ce que j'ai pris. Les balles véloces, ça vous permet d'avoir des balles qui vont plus vite. Alors ça peut être cool si vous avez un peu du mal à tuer les ennemis qui sont un petit peu loin ou qui bougent, surtout quand ils sont en mouvement. En fait, ça permet d'avoir moins à anticiper les mouvements. Mais je préfère vraiment cross modifié, cross allégé. Et enfin, le plus important, amortisseur de recul, vous l'avez compris. Ça réduit donc le recul vertical. Et dès que vous avez débloqué ça, vous allez vraiment voir une différence assez folle avec cette arme. Surtout si vous utilisez un viseur x3, vous allez vraiment être beaucoup plus précis. Vous allez pouvoir enchaîner les tirs sans que ça parte au-dessus du soleil. Mais voilà, c'est vraiment le truc à voir sur la spécialisation. Absolument, le reste, c'est vraiment ce que je vous conseille. Mais vous pouvez changer suivant votre feeling. Mais c'est vraiment amortisseur, c'est vraiment le truc le plus important. En face, vous avez rechargement plus rapide, mais comme je vous l'ai dit avant, si vous rechargez que avec un clip de 5 balles et que vous annulez l'animation, pardon, et bien ça va vraiment vous changer la vie. Et donc ce rechargement rapide va pas vous servir à grand chose. Donc voilà pour cette spé qui est vraiment très importante pour l'arme, ça vous l'aurez compris. Pour conclure, donc c'est une arme qui fait de gros dégâts par balle, qui a une carte de tir assez faible. C'est une arme très bonne pour la mi-distance, c'est l'une des meilleures au niveau du compromis dégâts, cadence, rechargement avec le clip, chose que vous ne pouvez pas faire le M1 garant parce que c'est il recharge le clip de façon générale, mais vous avez quand même 2 balles de plus que le M1 garant, donc ça reste quand même pas mal. Tir au jugé qui est pas bon du tout, donc voilà, vraiment faire gaffe quand vous êtes au combat approché, essayez de pas trop chercher les ennemis, essayez de temporiser entre guillemets, essayez d'être avec des coéquipiers pour voir d'où les ennemis peuvent venir. Et c'est une arme qui est très précise avec la bonne spé qui réduit le recul, donc voilà, vraiment ça, l'amortisseur de recul, vraiment super important. C'est à peu près tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des trucs, si vous utilisez une autre spécialisation, etc. Merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo, j'ai pris un grand plaisir à la faire, j'espère que le petit changement de d'habitude vous plairont. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour les lives, et Twitter, Facebook, etc. comme d'habitude, ainsi que le Discord pour pouvoir jouer avec nous, discuter, etc. Ce sera toujours appréciable, je vous laisse, à la prochaine, ciao bye.